Oh, thank you. Thank you, Mr. Sherlock Holmes. La radiodiffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les Enquêtes de Sherlock Holmes, réalisée par Abderrisker, d'après l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle. Aujourd'hui, les êtres rouges. Ici Maurice Renaud. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. L'enquête que va vous exposer dans un instant le docteur Watson étant assez longue, je vais être très bref dans cette présentation. Je voudrais seulement vous signaler, détail curieux, que la mère de Sir Arthur Conan Doyle, celle que toute sa vie il appela sa mame, fut l'inspiratrice de cette histoire. Passionnée pour les exploits de Sherlock Holmes, elle lui envoya un jour une idée pour une aventure de son héros. Il s'agissait d'une jolie jeune fille à la chevelure dorée qui, kidnappée et tondue, personnifierait une autre jeune fille à mauvais dessein. À la vérité, l'idée n'enthousiasma pas Conan Doyle. « Je n'arrive pas à démêler cet écheveau de cheveux dorés », écrivait-il à sa mère. « Mais si vous avez une lueur nouvelle, faites-la-moi connaître, je vous en prie. » Et il n'alla pas plus loin, momentanément. Lorsque, peu de temps après, Conan Doyle émit l'idée de faire disparaître Sherlock Holmes, la mame fut tellement horrifiée qu'elle revint à la charge. Et elle lui dit, avec autant de brusquerie que s'il avait 10 ans, qu'il n'avait qu'à utiliser son idée de la jeune fille aux cheveux d'or. Et voilà pourquoi la chevelure d'or de la mame devint la chevelure noisette, moins spectaculaire, de Miss Violet Hunter, dont vous allez faire la connaissance dans un instant, tout en appréciant la façon dont Conan Doyle a transformé l'idée originale donnée par sa mame, qui, ce faisant, avait, momentanément tout au moins, sauvé la vie du détective. Bonsoir, mes chers amis. C'est le docteur Watson qui vous parle. C'était un matin de 1886, tout au début du printemps. Sherlock Holmes et moi, nous étions installés dans le salon de notre vieil appartement de Baker Street, devant un feu qui pétillait gaiement et qui montrait nettement plus de joie que mon ami, enfoncé dans son fauteuil, un pli d'amertume au coin de la bouche. Encore un peu de thé, Holmes? Non, merci. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai l'impression, Watson, d'exercer un petit métier qui, peu à peu, va se transformer aux yeux du public en agence pour retrouver les montres égarées ou donner des conseils aux femmes de chambre. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Tenez, lisez cette lettre que j'ai reçue hier soir. Monsieur, je désirerais vivement vous consulter pour savoir si je dois ou non accepter une situation de gouvernante qui m'est offerte. Sans contre-ordre de votre part, je me permettrai de venir chez vous demain matin à 10h30. En vous remerciant à l'avance, je vous prie, etc. Violette Hunter. Voilà où j'en suis, mon cher. Vous connaissez cette personne? Non, non. Ben, j'avoue qu'il y a de l'abus. Hein. Si vous voulez, j'irai lui ouvrir et je lui dirai tout bonnement que si elle a besoin de conseils, elle s'adresse à son bureau de placement. Non, non, laissez-la entrer. Cette lettre banale nous apporte peut-être l'aventure, qui sait. Tiens, ah. Tenez, voici cette demoiselle Hunter. Ne bougez pas, je vais ouvrir. Sherlock Holmes fit entrer une jeune fille d'une 20aine d'années, au visage agréable, et il la fit asseoir en l'inspectant de la façon parfaitement indiscrète qui lui était habituelle. « Je vous écoute, mademoiselle. Vous pouvez parler sans crainte devant le docteur Watson que je vous présente. »« Mademoiselle. »« Docteur, si je vous dérange, messieurs, je vous prie de m'en excuser, mais je me trouve devant un cas assez insolite. J'ai une décision à prendre et n'ayant ni parents ni relations à qui demander conseil. » Un cas insolite, dites-vous? Oui. Vous allez d'ailleurs en juger par vous-même. Je suis orpheline et je viens d'être pendant 2 ans gouvernante dans la famille du colonel Spence Monroe. Malheureusement pour moi, le colonel vient de recevoir une nouvelle affectation. Il est nommé à Halifax, en Nouvelle-Écosse, et je me trouve sans situation. J'ai fait passer des annonces, je réponds moi-même à celles que je lis. Je ne trouve rien qui convienne. Voici bientôt 2 mois que je cherche. Le peu d'argent que j'ai économisé s'épuise et je me demande si je ne vais pas devoir accepter une certaine offre qui m'est faite, car au point de vue financier, c'est inespéré. C'est même trop beau pour ne pas être un peu inquiétant. Mais encore. Voilà. Ici, à Londres, dans le West End, il existe une agence de placement pour gouvernante. L'agence Westaway, tenue par une certaine demoiselle Stopper. Oui, exactement. J'avais pris l'habitude d'y aller une fois par semaine. Et voilà que lundi dernier, mademoiselle Stopper m'introduit tout de suite dans son petit bureau et me présente à un gentleman assez sympathique. Et dès qu'il me voit, cet homme saute positivement hors de son fauteuil. Mademoiselle Stopper, cette jeune fille est exactement la personne que je cherche. Je ne peux pas rêver mieux. Formidable.
C'est formidable. Vous m'envoyez ravi. Comment vous appelez-vous, chère mademoiselle? Violette Hunter. Ainsi, vous cherchez un emploi? Oui, monsieur. De gouvernante? Oui, monsieur. Et quels appointements aimeriez-vous avoir? Dans ma dernière place, j'avais 4 livres par mois. Chez qui étiez-vous? Chez le colonel Spence Namro. Eh bien, vous direz de ma part au colonel qu'il n'est qu'un exploiteur. Comment ose-t-on offrir une somme aussi dérisoire à une jeune fille si distinguée? Surtout qu'elle est musicienne, monsieur. Elle a une voix ravissante. Mademoiselle Stopper, c'est trop beau pour être vrai. Je n'invente rien. N'est-ce pas, mademoiselle Hunter? Je suis en effet soprano et sans fausse modestie, je me crois assez bonne pianiste. Mademoiselle Stopper, je crois rêver. La musique prendrait une place importante dans l'emploi que vous proposez, monsieur? Ma femme est également une excellente pianiste. Nous adorons le bel canto, c'est vous dire que vous seriez pour nous la gouvernante idéale. Pour vous? Oui, enfin, je veux dire pour mon fils. Il a 6 ans. Et je veux espérer, chère mademoiselle, que votre instruction vous permet largement d'assurer la formation intellectuelle d'un enfant qui jouera peut-être dans l'histoire de notre pays un rôle considérable. Il est très intelligent. Presque autant que son père, mademoiselle, presque autant que son père. Ainsi, avec tant de qualités, ce colonel vous rémunérait à raison de 48 livres par an? Mon Dieu, oui. Eh bien, avec moi, vous débuterez à 100 livres pour la première année. 100 livres? Oui, 100 livres. Je m'y engage dès maintenant. Tenez, voici d'ailleurs 4 livres à titre d'acompte. Prenez. Mais prenez donc, mon petit. Une seconde, si vous le permettez. Puis-je vous demander où vous habitez, monsieur? Dans le Hampshire, une ravissante petite campagne, les Hêtres Rouges, à 8 kilomètres de l'autre côté de Winchester, et la plus adorable des vieilles maisons du district. Et mon service, monsieur, je voudrais bien savoir en quoi il consisterait. Un seul enfant. Et je vous l'ai dit, extrêmement vif et décidé. Ah, il faut le voir écraser les cafards à coups de pantoufle, hein? Toc, 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 toc. Pas le temps de dire ouf avec lui. C'est son jeu favori? Oui, il aime bien tuer ces petites bêtes-là. Je n'aurai donc à m'occuper de cet enfant. Pas tout à fait. Il vous faudra aussi, et je suis sûr que votre bon sens vous l'a déjà suggéré, obéir au désir de ma femme, étant bien entendu d'ailleurs qu'il s'agira toujours d'ordre convenant à la condition d'une personne de votre qualité. Pas d'objection. Je serai heureuse de me rendre utile. Parfait. Je dois tout de même vous préciser que parfois vous aurez à le faire revêtu de telle robe qui vous sera désignée. Je ne comprends pas. Ma femme, chère mademoiselle, a parfois de petites manies, rassurez-vous, jamais dangereuses, ni contraires à la plus stricte morale. Non, non, elle aura, disons, 2 ou 3 petites idées fixes qu'il serait bien mesquin de lui discuter, comme par exemple de vous faire asseoir à tel endroit du salon plutôt qu'à tel autre. Si ce n'est que cela. Ou aussi de couper vos cheveux, avant de venir vous installer chez nous. Couper mes cheveux? Je regrette, monsieur, mais cela n'est pas possible. Ah, et c'est pourtant essentiel. Il ne s'agit, remarquez, que d'une simple fantaisie de ma femme, et étant donné son caractère anodin, un mari doit la prendre en considération, n'est-ce pas? Un mari peut-être, mais pas moi, monsieur. On s'accorde généralement à trouver à ma chevelure une abondance, une souplesse et un ton noisette dont je puis, paraît-il, être légitimement fière. Je n'irai pas la sacrifier d'une façon aussi désinvolte. Vraiment? Vous ne voulez pas couper vos cheveux? Non, monsieur. Je refuse. Alors, tant pis. N'en parlons plus. C'est grand dommage, mademoiselle, quand je pense que nous butons sur ce seul détail. Nous nous entendions si bien, sur tout le reste. Vous étiez exactement la jeune fille qu'il nous fallait. Je le regrette autant que vous, monsieur. Mademoiselle Stopper, si vous voulez bien faire venir les candidates suivantes... Oui, monsieur, tout de suite. Je pense, ma petite, qu'il est inutile de maintenir votre nom sur nos registres. Pourquoi cela? Si vous refusez une offre aussi avantageuse que celle-ci, je ne vois pas pourquoi nous irions perdre notre temps à vous trouver autre chose. Mais madame... Betty, veuillez conduire mademoiselle. Et je suis partie, monsieur Holmes. Une fois rentrée chez moi, j'ai regardé les provisions qui me restaient, j'ai fait mes comptes et additionné les factures en retard. Alors j'ai commencé à me demander si je n'avais pas fait une bêtise. Après tout, ces gens pouvaient avoir des manies, et mon Dieu, s'ils étaient prêts à payer leurs excentricités un bon prix, très peu de gouvernantes en Angleterre ont des appointements de 100 livres par an. Et puis, à bien réfléchir, à quoi me servaient des cheveux longs? Une coiffure à cheveux courts n'irait peut-être pas jusqu'à m'en les dire. Le lendemain, je me traitais d'idiote. Et le surlendemain, surmontant ma fierté, je décidai de retourner à l'agence. J'allais mettre mon chapeau quand on m'apporta cette lettre. Elle est de M. Rucastle, le gentleman en question. Si vous voulez en prendre connaissance...
Watson, veuillez nous la lire. Vous lisez si bien. Ouais. Chère mademoiselle Hunter, le bureau de placement m'a aimablement communiqué votre adresse et je vous écris ces quelques lignes pour vous demander si vous êtes revenu sur votre décision. Ma femme désire beaucoup que vous veniez et nous sommes disposés à vous offrir 120 livres par an. 120 ? Hein, afin que vous soyez amplement dédommagé de l'effort que vous ferez pour satisfaire nos petites manies qui sont bien anodines. Ma femme aime beaucoup la couleur bleue électrique et elle voudrait que vous portiez le matin une robe de cette teinte. Vous n'auriez qu'à mettre celle que nous a laissée notre chère fille Alice, qui est actuellement fixée à Philadelphie. Cette robe vous ira à ravir. D'autre part, en ce qui concerne votre place pour vous asseoir au salon et vous distraire comme on vous l'indiquera, vous n'avez à redouter aucun inconvénient. Pour la coupe de vos cheveux, je suis navré d'avoir hélas à demeurer intransigeant, mais je veux croire que l'augmentation de salaire constituera pour vous une sérieuse compensation, d'autant plus qu'en sortant de la maison, il vous sera toujours loisible de fixer sur votre nuque un chignon monté avec vos propres cheveux. Quant à notre petit garçon, il ne vous donnera aucun mal, je vous le promets. Télégraphiez-moi vite, chère mademoiselle Hunter, le jour et l'heure de votre arrivée, j'irai vous chercher en voiture à Winchester, amicalement à vous, Jeffro Rucastle. Me conseillez-vous d'accepter, Monsieur Holmes, ou de refuser? J'avoue, mademoiselle, que ce n'est pas là une place dont je rêverais pour ma sœur si j'en avais une. Mais l'argent, Monsieur Holmes, l'argent. Ah oui, bien sûr, l'argent, oui. Oui, les gages sont élevés. Trop élevés, même. Voilà ce qui m'ennuie. Oh, je pensais bien que si je vous racontais cette histoire, vous comprendriez combien j'ai besoin de votre aide. Je me sentirais tellement plus forte si vous acceptiez de venir à mon secours, s'il m'arrivait quoi que ce soit. Chère mademoiselle, vous pouvez absolument compter sur moi. Si vous vous trouviez dans l'anxiété ou en danger... Ah, vous aussi, vous croyez à un danger possible? C'est-à-dire que, si nous pouvions le définir, ce danger n'existerait pas. Bref, à n'importe quel moment, ne craignez pas de me télégraphier. De jour ou de nuit, j'accourrai. Oh, merci bien sincèrement, Monsieur Holmes. Ce soir, je fais couper mes pauvres cheveux... Et demain, je serai à Winchester. Au revoir, mademoiselle, et bonne chance. Par ici. Au revoir, docteur. Mademoiselle. Eh bien, voilà une jeune fille qui n'a pas froid aux yeux. Hein. Elle a du courage. Je crains qu'elle en ait besoin. Et je serais bien étonné si, avant peu, elle ne nous appelait pas à son secours. La prédiction de Sherlock Holmes ne tarda guère à se réaliser. Une quinzaine s'écoula, au cours de laquelle mes pensées se tournèrent souvent vers les êtres rouges. Je me demandais dans quelle étrange expérience humaine cette jeune fille s'était engagée. Nous reçûmes le télégramme un soir, fort tard, alors que j'allais me coucher et que mon ami était penché sur des tubes de verre occupés à de mystérieuses expériences sur l'acétone. Voici ce que nous télégraphie mademoiselle Hunter. Veuillez être au hôtel du Cygne Noir à Winchester demain midi. Venez, je suis à bout. Et à quelle heure y a-t-il un train? Le matin à 9h30. Il arrive à Winchester à 11h30. Vous connaissez les horaires par cœur? Non, mais en prévision de ce qui arrive, j'avais déjà noté les heures. Allons vite nous coucher, Watson, car demain, il faut que nous soyons en pleine forme. L'hôtel du Cygne Noir était le plus réputé de la ville, et mademoiselle Hunter avait fait préparer pour nous trois un déjeuner en salon particulier, afin que nous puissions causer tranquillement. Comme je vous remercie d'être venus, messieurs. Nous bavarderons tout en déjeunant, car j'ai promis à M. Rucastle d'être de retour avant 3 heures. J'espère qu'il ignore ce que vous êtes venu faire en ville. Oh, oui, bien sûr. Bon, maintenant nous vous écoutons. Il y a une quinzaine de jours, quand je suis arrivée à Winchester, M. Rucastle est venu me chercher. Et il m'a emmenée tout de suite au Hêtre Rouge, qui se trouve dans un site admirable. Mais la maison est laide, assez vieille et rongée par l'humidité. Elle est construite en bordure de la route de Southampton. Derrière, il y a un parc et des bois. Dès mon arrivée, M. Rucastle me fit faire le tour du propriétaire et me présenta aux habitants de la maison. Ah, j'aperçois ma femme avec le petit. Ma chère Gloria, voici mademoiselle Hunter dont je t'ai parlé. Soyez la bienvenue, mademoiselle. Notre fils Edward. Allons, dis bonjour à mademoiselle Hunter. Bonjour, Edward. Eh bien, voyons, dis bonjour.
Excusez-le, il est timide. Oh, mais cela ne durera pas. Vous verrez, Edouard, que nous deviendrons vite d'excellents amis. N'est-ce pas? Eh bien, réponds. Bon, eh bien, ça sera pour demain, hein? Bon, si vous voulez venir avec moi, chère mademoiselle, nous irons jusqu'aux cuisines pour que vous fassiez connaissance avec Toller et sa femme. Volontiers. À tout à l'heure, madame. À tout à l'heure, mademoiselle. Vous avez également une fille, je crois, monsieur. Oui, oui, d'un premier mariage. Comme vous avez pu le voir, ma femme est beaucoup plus jeune que moi, et il y a entre elles deux si peu de différence que ma pauvre Alice ne s'est pas sentie très, très à l'aise avec sa belle-mère. Et une occasion s'étant présentée, elle est partie s'établir aux États-Unis. Elle s'y plaît? Oh oui, oui, beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Alors quoi, Toller? Encore un coup dans le nez? Je vais finir par me fâcher. Faites pas attention, mademoiselle. Tant qu'il chante, il n'est pas méchant. Ah! Voici sa femme, Madame Toller, qui est la reine des cordons bleus. Ben, n'êtes pas difficile. Mademoiselle Hunter va s'occuper de notre petit Édouard. Hein? Quand bien vous fasse. Bon, maintenant que vous connaissez la maisonnée, je suis sûr que vous allez vous plaire ici. Allons retrouver ma femme au salon. Il plaît toujours. La voici qui vient justement devant nous. Ma chère Gloria, tu vas montrer sa chambre à mademoiselle Hunter. Mais auparavant, je voudrais lui demander, chère mademoiselle Hunter, vous avez bien fait couper vos cheveux, n'est-ce pas? Hélas, oui, monsieur. Alors, ayez la bonté d'enlever votre chapeau. Que je vois. Voilà, monsieur. Oh, merveille. Oh, adorable. Oh. Mais ainsi, vous êtes mille fois plus jolie encore. N'est-ce pas, Gloria? N'ayant jamais vu mademoiselle auparavant. Oui, c'est vrai. Très juste. Très juste, très juste. En tout cas, te plaît-elle ainsi? Certainement. Si vous voulez bien monter avec moi, mademoiselle. Telle fut ma prise de contact avec la famille Rocastle. Quelles sont vos conclusions à ce jour? C'est que la femme n'est ni sympathique ni antipathique, et que dans la maison, elle compte pour zéro. Elle a l'air résignée. Je la crois rongée par un chagrin secret. Plus d'une fois, je l'ai surprise en larmes. Peut-être est-ce à cause de son fils. Il a une tête beaucoup trop grosse pour sa taille, et psychiquement, il est nettement anormal. Perpétuellement sujet à des accès de passion qui alternent avec des périodes de prostration dont il ne sort que pour martyriser des souris, des oiseaux et des insectes. Ah. Et le maître de maison? Un joyeux luron qui cache sous sa gaieté une autorité de fer. Quant à Toller, c'est une brute alcoolique qui est surtout jardinier et homme de peine. Et sa femme? Sa cuisine et son caractère sont exécrables. J'en viens maintenant à ce qui se produisit le troisième jour après mon arrivée. Vers 2 heures de l'après-midi, j'étais remontée dans ma chambre quand on frappa. Entrez. Mademoiselle Hunter, que pensez-vous de cette robe bleue électrique? Elle est très jolie. Auriez-vous l'obligeance de l'essayer? Mais certainement. Attendez, je vais vous aider. Cette robe appartenait à mademoiselle Alice, je crois. Oui. Monsieur Rucastle m'a dit que vous aimiez beaucoup cette couleur. Oui, beaucoup. Elle est d'ailleurs assez rare. Elle sied admirablement à la couleur de vos cheveux. Mais oui, c'est vrai. Si cette robe avait été faite pour vous, elle ne pourrait pas vous aller mieux. En effet. Et maintenant, descendons, voulez-vous? Pourquoi faire? Eh bien, pour la montrer à mon mari. Il nous attend au salon. Bien, madame. Vous voyez, je vous attends en bas d'escalier, tellement je suis impatient. Oh, oh, mademoiselle Hunter, vous êtes ravissante. Ravissante. Venez vite dans le salon. Ne vous asseyez pas là. Ici, plutôt. Là, c'est ça. C'est ça, voilà. Merci.
Il me fit asseoir le dos à l'une des portes-fenêtres qui donnaient sur la route. Elle était légèrement entr'ouverte. Et là-dessus, il se mit à nous raconter des histoires drôles, les plus drôles que j'ai jamais entendues. Je dois dire qu'il les racontait avec un humour irrésistible. Et pendant tout le temps qu'il parla, mes éclats de rire ne cessèrent pas. Et Madame Rockcastle? Probablement avait-elle déjà entendu ces histoires, car elle esquissa deux ou trois sourires, puis son regard se fit de nouveau triste et anxieux. Enfin, au bout de trois quarts d'heure d'une conversation très gaie, entrecoupée de fous rires, on me dit que je pouvais remonter changer de robe et m'occuper du petit Édouard. Deux jours plus tard, la scène se répéta de façon identique. Entrez, entrez, mademoiselle Hunter. Ah, décidément, cette robe bleue vous va ravir. Veuillez vous asseoir. Tenez, ici, voilà, devant cette fenêtre, comme l'autre jour. C'est parfait, merci. Dites-moi, mademoiselle Hunter, connaissez-vous du Mozart? Oh oui, dans un bois, par exemple. Ah, ma femme et moi, nous adorons Mozart. Et si vous voulez bien nous chanter cette ravissante mélodie? Volontiers. Merci. Ah, peut-être avez-vous besoin de la musique? Non, je la sais par cœur. Bon, eh bien, ma femme va se faire une joie de vous accompagner au piano. Non, 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 restez où vous êtes. Ah oui, mais peut-être ne pouvez-vous pas chanter assis. Oh, ça ne me gêne pas. Bon, bravo, c'est parfait. Si tu veux bien commencer, Gloria, mademoiselle Hunter est prête. Dès la première fois, j'avais été frappée par le soin qu'ils avaient mis à m'asseoir le dos tourné contre la fenêtre entrouverte. Et à leurs regards attentifs, j'avais acquis la conviction qu'il se passait quelque chose derrière moi. Aussi, avant de descendre, cette seconde fois, avais-je brisé ma glace à main et glissé un morceau dans mon mouchoir. Tout en chantant, je le portais à hauteur de mes yeux comme pour sécher mes paupières. Et j'aperçus un homme sur la route qui regardait attentivement vers moi. Monsieur Rockcastle avait certainement deviné mon manège, car il posa sa main sur l'épaule de sa femme pour interrompre le morceau. Gloria, il y a sur la route un impertinent qui regarde mademoiselle Hunter. C'est un de vos amis, mademoiselle? Non, je ne connais personne ici. Alors quelle impertinence! Faites-lui signe immédiatement de s'en aller. N'ayons pas l'air de le remarquer, ce serait peut-être préférable. Non, 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 non. Il n'y a aucune raison pour que de telles indiscrétions ne se reproduisent pas. Faites-lui signe de partir. J'obéis. L'homme s'en alla et Madame Rockcastle baissa le store. Depuis ce jour-là, on ne m'a plus jamais demandé de mettre la robe bleue et de m'asseoir à la fenêtre. Et l'homme sur la route? Je ne l'ai jamais revu. Étrange tout cela. Vous avez, je pense, d'autres choses encore à me signaler? Oui, monsieur Holmes. Par exemple, le lendemain de mon arrivée, en passant vers 8 heures du soir près de la cuisine, j'entendis non loin de moi un bruit de chaîne et un gémissement. Je m'arrêtai, effrayée. Pourquoi claquez-vous des dents ainsi, chère mademoiselle Hunter? Approchez-vous de cette fente-là. Entre ces deux planches. Que voyez-vous? Deux yeux qui brillent. Qu'est-ce que c'est? C'est Carlo. Mon dog. Enfin, je devrais plutôt dire le dog de Toller, mon valet, car il n'y a que lui qui soit capable de le faire obéir. Carlo n'a à manger qu'une seule fois par jour et encore très peu. Aussi, je vous prie de croire que son coup de croc est toujours prêt. Toller le lâche toutes les nuits dans le jardin. Pour l'amour du ciel, ne vous hasardez pas à franchir le seuil de cette maison quand le spar est venu. Votre vie serait en danger, n'en doutez pas. Je vous remercie de l'avertissement. Je serais si navré qu'il vous arrive un malheur. La nuit suivante, vers 2 heures du matin, ayant entendu un gémissement dans le jardin, je me levai et je regardai par la fenêtre. Tout à coup, émergea sous un rayon de lune un chien géant
aussi grand qu'un veau, étrangement maigre, avec des os énormes, qui semblaient lui crever la peau. Il traversa majestueusement l'allée et disparut dans l'ombre. Je crois qu'aucun bandit ne m'aurait fait aussi peur. Ensuite ? Ensuite, monsieur Holmes, il faut que je vous raconte une autre chose, particulièrement insolite. J'ai conservé les cheveux qu'on m'a coupés sous la forme d'une longue torsade, rangés soigneusement au fond de la malle. Or, l'autre soir, je fus tenté d'ouvrir le troisième tiroir de la commode de ma chambre. Le jour de mon arrivée, les deux premiers étaient vides, j'y avais rangé mes affaires en me cherchant encore un peu de place. Je pensais que le troisième tiroir avait été fermé par erreur. À tout hasard, j'essayais une des clés de mon trousseau et je réussis à l'ouvrir. Quelle ne fut pas ma stupeur! Au premier plan, là, sous mes yeux, il y avait ma torsade de cheveux. C'était bien le même ton noisette, d'une nuance assez particulière, et la même finesse. Je me dis enfin que ce ne pouvait pas être la mienne. Comment serait-elle venue dans ce tiroir? Je défis ma malle, et tout au fond, sous des lainages, il y avait ma propre torsade. Je la déposai à côté de celle que je venais de trouver. Pratiquement, il n'y avait aucune différence. Madame Rocastle a-t-elle des cheveux semblables? Non, elle est brune. Avez-vous fait part de cette découverte à Monsieur Rocastle? Non, vous pensez. D'autant plus qu'une autre chose avait attiré mon attention. J'avais remarqué qu'une aile de la maison paraissait complètement inhabitée, tout au moins en ce qui concerne le premier étage. Du jardin, on voit trois fenêtres sans rideaux, dont les vitres sont tellement sales qu'on les dirait dépolies, et une quatrième aux persiennes toujours closes. Ces pièces, me suis-je dit, doivent être commandées par un couloir qui part du palier du premier étage, là où il y a une porte toujours fermée à clé. En promenant l'enfant dans le jardin, je regardai un jour avec beaucoup d'insistance ces fenêtres mystérieuses quand M. Rocastle s'approcha de moi. Ces fenêtres vous intriguent beaucoup, n'est-ce pas? Oh non, pas du tout, monsieur. L'agrément des vieilles maisons de province, voyez-vous, c'est qu'au moins on a toute la place pour ranger les vieilles affaires. Quant à la pièce aux persiennes fermées qui vous intrigue si fort, c'est ma chambre noire pour développer mes photographies. Voilà, petite curieuse, voilà. Il riait, mais dans le regard qu'il posait sur moi, il n'y avait aucune espèce de gaieté. J'y lus au contraire un soupçon et une dureté qui me firent frissonner. Eh bien, monsieur Holmes, à partir du moment où je compris qu'il y avait dans ses chambres quelque chose que je ne devais pas connaître, je ne pensais plus qu'à elle. Et je me tins sur le qui-vive pour guetter l'occasion de franchir le seuil défendu. Elle ne se présenta qu'hier. Je dois vous dire que M. Rocastle, que j'avais vu un jour sortir par cette mystérieuse porte du premier étage, n'était pas le seul à y avoir accès. Toller et sa femme allaient aussi aux chambres qui m'intriguaient, et avec un grand sac de toile noire. Or, hier, vers 6 heures du soir, je vis Toller sortir par la porte en question. Et il était tellement ivre qu'il oublia la clé sur la serrure. Quand il fut descendu, j'ouvris. Et je trouvai un couloir sur lequel donnaient 3 portes. Les 2 premières ouvraient, l'une sur une petite pièce vide et l'autre sur une plus grande à 2 fenêtres, dans laquelle étaient amoncelés des meubles délabrés. La 3e porte, enfin, qui donnait accès à la pièce dont la fenêtre avait les persiennes toujours closes, cette 3e porte était fermée à clé. Et en travers, je vis une barre de fer fixée à une extrémité par un anneau dans le mur et à l'autre bout par une grosse corde. Par-dessous, je pus voir une lueur qui m'indiqua que la chambre n'était pas plongée dans l'obscurité. C'était la lueur d'une lampe? Non, la lumière du jour. Ce qui me fit penser qu'on avait pratiqué une ouverture dans le plafond et dans le toit. Et qu'on y avait mis un châssis vitré? Probablement. Soudain, j'entendis un bruit de pas. Quelqu'un marchait dans la pièce. Sous la porte, dans le ray de lumière, je voyais une ombre avancer et reculer. Une terreur folle s'empara de moi. Mes nerfs hypertendus me lâchèrent et je m'enfuis en courant comme si une main diabolique essayait de me retenir par ma robe. Au bout du couloir, je franchis la porte et je tombai dans les bras de M. Rocastle. Tiens, tiens, Mademoiselle Hunter, c'était donc bien vous. Quand j'ai vu la porte ouverte, j'étais sûre que c'était vous. Oh, monsieur, monsieur, j'ai peur, j'ai tellement peur. Racontez-moi ce qui vous effraie si fort. J'ai été assez stupide pour rentrer dans cette aile déserte.
Mais elle est si sombre, si silencieuse que j'ai été épouvantée. Vous me dites bien toute la vérité? Pourquoi me demandez-vous cela? Et vous? Pourquoi croyez-vous que je ferme cette porte à clé? Je ne sais pas. Simplement pour écarter les gens qui n'ont rien à faire là-dedans, comprenez-vous? Oui, si j'avais su. Bon, maintenant vous savez. Et si jamais vous reposez le pied de l'autre côté de cette porte, je vous donne en pâture au dog. J'étais si terrorisée que je me suis précipitée dans ma chambre où j'ai eu une crise de larmes. Puis j'ai pensé à vous, Monsieur Holmes. Sous un prétexte quelconque, je suis sortie et je vous ai envoyé un télégramme. Je n'ai presque pas dormi de la nuit. Et ce matin, ayant soi-disant des achats à faire à Winchester, je suis venue vous retrouver ici. Je regarde ma montre car il faut que je sois de retour là-bas à 3 heures. Monsieur et Madame Rocasse ont une visite à faire et ils dînent en ville. Et je dois garder le petit. Vous y serez. Maintenant que je vous ai tout raconté, Monsieur Holmes, quelle conclusion pouvez-vous en tirer? Logiquement, les voici. Vous avez été amenée au Hêtre Rouge, mademoiselle, pour y faire de la figuration, pour représenter quelqu'un qui est séquestré. Certainement Alice Rocastle, la fille soi-disant établie en Amérique. Sans aucun doute, vous lui ressemblez par la taille, la complexion et la couleur des cheveux. Les siens ont dû être coupés au cours d'une maladie, c'est pourquoi l'on vous a demandé de sacrifier les vôtres. Et l'homme sur la route? Un ami à elle, peut-être son fiancé. Comme vous ressembliez beaucoup à la jeune fille et que vous portiez sa robe bleue, il a été convaincu par vos éclats de rire, votre chant et enfin par vos gestes l'invitant à s'en aller, que vous n'aviez plus que faire de ces galantes attentions. C'est possible, en effet. Mais pourquoi lâcher ce chien la nuit? Pour ôter au jeune homme toute envie de communiquer avec elle. Mais, voyez-vous, le plus inquiétant de l'affaire, c'est l'attitude de l'enfant. Qu'a-t-elle à voir avec les agissements du père? Vous n'ignorez pas, Watson, que si en médecine et en psychiatrie, on explique généralement les enfants par les parents, l'inverse est tout aussi valable. Le fils est anormal et cruel. Voilà qui peut nous faire penser que le père, si je peux m'exprimer ainsi, tient de lui. Étant du même sang, il n'y aurait rien de surprenant à voir Rocastle aussi anormal et cruel que son fils. En tout cas, il faut agir au plus vite, n'est-ce pas, Monsieur Holmes? Oui, mademoiselle. Vous allez rentrer au Hêtre Rouge et vous arranger pour enivrer amplement cette brute de tolère. Je pense qu'il y réussira sans moi. Bon. Maintenant, y a-t-il dans la maison une cave avec une bonne grosse serrure? Oui, là où on met le vin. Bien. Une fois vos patrons partis, vous y envoyez Madame Toller sous un prétexte quelconque et vous l'y enfermez. Comptez sur moi. Bravo, vous avez de la décision. Le chemin étant ainsi rendu libre, nous serons auprès de vous vers 7 heures ce soir et nous essaierons de libérer la prisonnière. Nous arrivâmes à 7 heures, comme convenu. Mademoiselle Hunter avait en tout point exécuté le plan de Sherlock Holmes. Toller ronflait sur le paillasson de la cuisine et sa femme hurlait du fond de sa cave. Quant au petit Édouard, il avait été couché de bonne heure et il venait de s'endormir. Bravo, mademoiselle Hunter. Maintenant, montons. Venez par ici. Madame Toller a les mêmes clés que celles de Monsieur Rocastle. Je lui ai pris son trousseau. Directement à la porte du bout. Nous y voilà. Mademoiselle. Mademoiselle Alice. Elle dort peut-être. C'est curieux. S'il l'avait tuée. Il n'y a plus qu'à détacher la barre de fer. Il n'y a pas une de ces clés qui ouvre. Enfonçons la porte. Aidez-moi, Watson. Personne. Oh, regardez. Le châssis vitré qui communique avec le toit est ouvert. Elle est partie. Qu'est-ce que cela signifie? Attendez. Je grimpe sur le toit.
Il y a une échelle appuyée contre le mur. C'est par là qu'elle est descendue, ou qu'on l'a descendue. Et Dieu sait dans quel état. Monsieur Holmes! Monsieur Holmes! Écoutez, quelqu'un monte l'escalier. Watson! Armons nos revolvers! Monsieur Rocastle! Bandit! Où est votre fille? C'est à moi de vous le demander! Voleur! Espion! Ah, je vous prends sur le fait! Attendez! Je vais m'occuper de vous tout de suite! Oh, que va-t-il faire? Oh mon Dieu, il va chercher le dog! Écoutez! Il ouvre la porte de la soupente où l'on l'enferme! Le chien est en train de le dévorer! Venez vite, Watson! Mordu profondément Non, pas trop, merci Watson. Non, occupez-vous plutôt de l'autre. Regardez, elle a la gorge en sang. Rucastle vivait encore, mais il était horriblement lacéré. Sherlock Holmes, qui n'avait été mordu qu'assez superficiellement, m'aida à transporter le blessé sur le canapé du salon, et nous nous occupâmes de lui pendant que Toller, complètement dégrisé, allait libérer sa femme. Quelques instants plus tard, tous deux remontaient de la cave, et Sherlock Holmes les obligea à parler sous la menace de les livrer à la police pour complicité de séquestration. Alors, tout en larmes, Madame Toller nous apprit la vérité. Mademoiselle Alice a toujours été malheureuse. Surtout depuis que monsieur a épousé madame. Un jour, elle a fait la connaissance de monsieur Fowler, un homme très bien, et ils ont décidé de se marier. Mais voilà, Mademoiselle Alice a une grosse fortune qui est entièrement dans les mains de monsieur. Et quand monsieur a vu qu'il allait falloir donner l'argent, il a fait de telles scènes à mademoiselle qu'elle en est tombée malade. Elle a eu une congestion cérébrale. On a dû lui couper les cheveux. Et quand elle est rentrée en convalescence, si vous aviez vu comme elle était faible, ils l'ont montée là-haut et ils l'ont enfermée. Pour garder la fortune. Et vous n'avez rien dit? Monsieur nous terrorisait. Seulement, quand j'ai vu la comédie qu'on faisait jouer à Mademoiselle Hunter, ça m'a tellement dégoûtée que j'ai tout dit à Monsieur Fowler, le fiancé. Et comme je savais qu'aujourd'hui, Monsieur et Madame partiraient de 4 heures jusqu'après le dîner, n'ayant pas la clé de la chambre, je lui ai prêté une échelle. Et il a fait évader Mademoiselle Alice par le toit. Ainsi fut résolu, mes chers amis, le mystère de la sinistre demeure appelée les Hêtres Rouges. Rucastle mourut peu de temps après, et sa fille épousa M. Fowler. Quant à Mademoiselle Hunter, mon ami Holmes m'étonnera toujours, il cessa de lui témoigner le moindre intérêt dès qu'elle ne fut plus le pivot de l'un de ses problèmes. Elle dirige maintenant une école privée à Sheffield, et je crois qu'elle réussit très bien. Dans la série « Les enquêtes de Sherlock Holmes », vous venez d'entendre « Les Hêtres Rouges », d'après la nouvelle de Sir Arthur Conan Doyle. C'est une production de Maurice Renault. Prise de son Jean Pantaloni, bruitage Henri Saint-Georges, assistant Jacques Béraud, réalisation Abderisker.